Le matin, c'est comme l'équivalent de boire un café. Tu montes la montagne, tu respires, tu chilles. Et ensuite, quand t'arrives pour Bombay, là, l'adrénaline, elle monte. C'est vraiment ça qui start ma journée. Là. Mon nom, c'est Jesse Jambard. J'ai des amis qui m'appellent le Black Sparrow parce que je ressemblais un peu au capitaine Jack Sparrow. Tu sais, quand on est tout petit, on va à l'école, on apprend plein de trucs qui éventuellement vont nous servir. Mais la seule chose qu'ils nous apprennent pas, c'est la respiration. Fait qu'ici, c'est le petit spot où est-ce que je viens méditer. Toutes les pensées négatives, je les évacue. Je vais être reconnaissant de tout dans ma vie et je vais vraiment essayer de venir travailler ma personne. Je vais me demander à qui je pourrais rendre service cette journée-là. La raison pourquoi je viens ici, c'est vraiment parce qu'on est de l'aspect nature, être calme juste avant de faire le hillbomb le plus nord. Ça, c'est la cerise sur le sundae. Le skate, c'est un mode de vie à 100%. Personnellement, ça a changé ma vie. Je me suis fait des nouveaux amis, j'ai voyagé. Penses-tu que j'aurai assez de speed revenant en Bondness? OK. Pour moi, c'est vraiment important de vivre un style de vie sain. J'ai vécu aussi le moment un peu plus sombre dans ma vie où est-ce que j'allais toujours faire la fête. Peut-être que je faisais un petit peu d'excès avec l'alcool. En vieillissant, j'ai réalisé que mon talent se dégradait puis que j'avais de plus en plus de blessures. Fait que j'ai coupé l'alcool. Du moment que j'ai arrêté de boire, j'ai évolué comme ça. Là. Le fait que le Jackalope rassemble plusieurs disciplines, c'est super cool parce que dans le fond, tu vas rencontrer plein d'autres athlètes qui partagent une passion, veux pas, qui est un peu différente. J'ai appris à faire de la slackline. J'ai réalisé que c'était le parfait entraînement pour justement améliorer mon équilibre puis travailler mes muscles qui font en sorte que j'ai une meilleure stabilité en skate. Je m'appelle Jesse Jambard et je vous donne rendez-vous au Jackalope 2019.